Radio Le Caire présente. L'arabe par la radio. Nous vous présentons aujourd'hui la cinquième leçon dans les séries L'arabe par la radio. تعلم العربية بالراديو. Ayez vos livres prêts devant vous. Maintenant, ouvrez votre livre à la cinquième leçon, page 34. Êtes-vous prêts? Commençons. Écoutez votre professeur lire le numéro de la leçon. الدرس الخامس. Répétez après votre professeur. الدرس الخامس. الدرس الخامس. Regardez les trois images qui sont devant vous et tâchez de lire la phrase écrite au bas de chacune d'elles. Vous avez déjà appris ces phrases. Maintenant, écoutons ensemble. La première phrase est هذه أسرة سالم. هذه أسرة سالم. La deuxième phrase هذه جنينة سالم. هذه جنينة سالم. La troisième phrase أسرة سالم في الجنينة. أسرة سالم في الجنينة. Regardez les images de la page 35 et écoutez le mot écrit au bas de chacune de ces images. Image numéro 1. فراشة. فراشة. Image numéro 2. جريدة. جريدة. Image numéro 3. سمكة. سمكة. Image numéro 4. كرة. كرة. Image numéro 5. كلب. كلب. Image numéro 6. كتاب. كتاب. Image numéro 7. يد. يد. Image numéro 8. ذيل. ذيل. Image numéro 9. فم. فم. Très bien. Maintenant, passons à la page 36. Les 9 mots nouveaux que vous venez d'apprendre sont donnés ici sous leur forme définie. Écoutez votre professeur qui va vous lire et répétez après lui. الفراشة. الفراشة. الجريدة. الجريدة. السمكة. السمكة. الكرة. الكرة. الكلب. الكلب. اليد. اليد. الذيل. الذيل. الفم. الفم. Très bien. Maintenant, regardez à la page 37. Nabil est au jardin. Que fait-il? نبيل يجري
في الجنينة نبيل يجري في الجنينة. Pourquoi Nabil court-il au jardin? نبيل يجري وراء الكرة. نبيل يجري وراء الكرة. Où est-elle allée la balle? الكرة تنزل في البركة. الكرة تنزل في البركة. Que fait Nabil maintenant? نبيل يبكي أمام البركة. نبيل يبكي أمام البركة. Écoutons de nouveau la première phrase. نبيل يجري في الجنينة. Nabil est celui qui fait l'action du verbe. يجري. Le verbe يجري est au présent. Écoutez la deuxième phrase. نبيل يجري وراء الكرة. De nouveau, Nabil est celui qui fait l'action du verbe. يجري et le verbe يجري est au présent. Écoutez enfin la dernière phrase. نبيل يبكي أمام البركة. Ici encore, Nabil est le sujet du verbe يبكي et le verbe يبكي est au présent. Nabil est une troisième personne du masculin singulier. Remarquez que l'action qu'il fait au présent commence par un ي ي comme dans يبكي يجري. Écoutez encore les verbes écrits dans cette page. نبيل يجري في الجنينة. نبيل يجري وراء الكرة. الكرة تنزل في البركة. نبيل يبكي أمام البركة. Regardez la page 38. Regardez la première image et écoutez attentivement. الكلب ينزل في البركة. الكلب ينزل في البركة. Regardez la deuxième image et écoutez attentivement. الكرة في فم الكلب. الكرة في فم الكلب. Très bien. Regardez la troisième image et écoutez bien. الكرة في يد نبيل. الكرة في يد نبيل. Regardez la quatrième image et écoutez bien. الكلب يهز ذيله. الكلب يهز ذيله. Regardez maintenant la page 39. Nihad est au jardin. Que fait-elle? نهاد تجلس بجوار الشجرة. نهاد تجلس بجوار الشجرة. La deuxième phrase est نهاد ترسم شجرة. نهاد ترسم شجرة. La troisième phrase est نهاد تجلس بجوار البركة. نهاد تجلس بجوار البركة. Vous voulez savoir ce que fait Nihad près de la mare? Eh bien, regardez la page 40. Écoutez les phrases écrites à côté de l'image numéro 1. Nihad ترسم سمكة. Nihad ترسم سمكة.
Image numéro 2. نهاد تجلس بجوار الأزهار. نهاد تجلس بجوار الأزهار. Image numéro 3. نهاد ترسم زهرة. نهاد ترسم زهرة. Regardez à la page 41, la première image. نهاد تجلس بجوار السور. نهاد تجلس بجوار السور. Image numéro 2. Que dessine Nihad? نهاد ترسم فراشة. نهاد ترسم فراشة. Écoutons de nouveau la première phrase. نهاد ترسم سمكة. نهاد est celle qui fait l'action du verbe ترسم. Et ce verbe est au présent. Écoutez la deuxième phrase. نهاد تجلس بجوار الأزهار. De nouveau, نهاد est celle qui fait l'action du verbe تجلس. Et ce verbe est au présent. نهاد est une troisième personne du féminin singulier. Remarquez que le présent des verbes qui lui sont attribués commence par ت comme dans ترسم تجلس. Écoutez encore les phrases écrites à cette page. نهاد ترسم سمكة. نهاد تجلس بجوار الأزهار. نهاد ترسم زهرة. نهاد تجلس بجوار السور. نهاد ترسم فراشة. En arabe, le temps présent du verbe a deux formes distinctes. L'une employée pour le sujet masculin comme نبيل et سالم et l'autre pour le sujet féminin comme هند et نهاد. Ainsi, quand on parle de Salim masculin, on dit سالم يجلس. يا يجلس. Mais lorsque l'on parle de Hind féminin, on dit Hindu تجلس. تجلس. De même, nous disons en parlant de Nabil نبيل يجري. يا يجري. Mais نهاد نهاد تجري. ت تجري. Ceci, chers auditeurs, nous amène à la fin de la cinquième leçon dans les séries « L'arabe par la radio ». Et en attendant de nous retrouver, nous vous disons au revoir.